Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo consacrée à mes 10 favoris maquillage. C'est-à-dire, si je devais choisir 10 produits de maquillage pour débuter, si vous êtes débutante, ça peut vous intéresser. Tout de suite, qu'est-ce que je choisis ? Si je devais choisir un seul produit de maquillage, déjà d'une, un seul produit, ce serait, je pense, un incontournable qui est le crayon Kohl. Donc, un crayon noir, tout simple. Je pense que c'est la base du maquillage. C'est, je pense, le premier produit de maquillage que j'ai utilisé quand j'ai commencé à maquiller étant un peu plus jeune. Il est noir. On peut l'utiliser aussi bien à l'intérieur des yeux qu'en eyeliner. Donc, c'est pratique et ça permet de se maquiller, mais juste un peu pour faire ressortir un petit peu les yeux. C'est parfait. Ça serait, si je devais en choisir qu'un seul, ça serait, je pense, ce produit-là que j'utiliserais. Voilà. Donc, moi, celui que j'utilise, j'ai pas que celui-là, mais celui que j'utilise, c'est le Givenchy Magic Kohl. Voilà, c'est celui-là. Je le trouve super bien. Je trouve qu'il coule pas quand je l'utilise. Donc, je l'aime bien. Pour l'instant, il me va super bien. J'en ai d'autres, mais c'est mon préféré. Voilà. Deuxième produit de maquillage que je trouve très très important et que j'utiliserai en seconde position si je devais choisir que deux produits de maquillage, du coup, ce serait le mascara. Le mascara, très très important pour faire ressortir le regard, pour enjoliver les yeux. Donc le mascara que j'adore en ce moment, que j'adore par-dessus tout, que j'ai testé il n'y a pas longtemps et que dont je suis tombée amoureuse, ce serait du mascara Trouser Curl de Sephora. Il fait un effet de cils recourbés de malade. Je l'adore. Il a une petite brosse minuscule. Et en fait, elle est minuscule. Elle est, comme on dit, c'est petit mais costaud. Et en fait, en ce moment, ouais, il est en train de devenir number one pour moi, ce mascara. J'en ai d'autres, mais celui-là, je l'adore. Vraiment. Troisième produit de maquillage que j'utiliserai en tant que débutante, après le crayon Kohl et le mascara, ce serait tout simplement un petit gloss. Un petit gloss, histoire d'enjoliver les lèvres. Je trouve ça important, une fois qu'on a bien enjolivé ses yeux, d'enjoliver ses jolies lèvres. Celui que j'ai choisi de vous montrer, c'est un gloss de chez Givenchy. La couleur est assez naturelle, il est un peu brillant. C'est le numéro 3 qui s'appelle Gelé d'interdit. Je ne sais pas si ça va me faire le focus. Que vous voyez, je sais pas. En tout cas, numéro 3, gelé d'interdit de chez Givenchy. Voilà. Et en fait, il a une couleur assez neutre et il est juste un petit peu pailleté, donc ça met en valeur les lèvres, mais juste ce qu'il faut. Effet naturel. Quatrième produit de maquillage que je choisirais si je n'avais pas le choix, si vous êtes des jeunes et que vous cherchez à vous maquiller, ce serait une palette de couleurs, en fait. Je trouve ça super important d'avoir une palette de couleurs de maquillage avec le maximum de couleurs possibles, histoire de pouvoir varier son maquillage, de pouvoir varier les couleurs, de pouvoir assortir ses couleurs en fonction de ses vêtements, en fonction des envies, etc. Donc la palette de maquillage, assez important. Et j'ai choisi de vous en présenter une qui est petit prix pour justement les personnes qui chercheraient à avoir un minimum de produits, un minimum de coûts, mais un maximum de possibilités. Donc celle-ci, c'est la palette, c'est une des palettes de ELF, Eyes, Lips, Face, et c'est la palette Everyday de chez ELF. Je la trouve assez sympa, elle coûte genre 6,50€, un truc comme ça, ou 6€, je sais plus. Il y a 32 couleurs dessus, donc super cool. Franchement, on peut l'utiliser tous les jours. Il y a des couleurs qui sont assez irisées et des couleurs qui sont un peu plus mates. Donc je la trouve assez cool et pas chère. Super sympa. Ensuite, le produit suivant, qui
serait le cinquième produit. Alors là, j'hésite parce qu'en fait, c'est compliqué. J'ai envie de dire, si on reste dans le délire, je suis jeune, j'ai pas trop de sous et j'ai envie d'avoir le minimum de maquillage et le maximum de possibilités. Je dirais le blush, histoire de compléter le maquillage. Ouais. Les petits détails, je les mettrai en dernier. Donc, le blush, avoir un blush, c'est assez important, je pense. Il faut avoir un blush pour rehausser un petit peu les joues, pour mettre de la couleur si on a le teint un petit peu pâle ou un petit peu terne, etc. Donc un petit blush rosé, ça peut être sympa. Plutôt abricoté si vous avez la peau un peu plus mate. Mais le rosé, ça passe partout en fait. Tout le monde, enfin à la base, le blush, c'est rose. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un blush rose. C'est le blush numéro 28 qui s'appelle Bourgeois Pink de chez NYX. Il coûte pas cher du tout, dans les alentours de 4-5 euros, je ne sais plus exactement. Il est rose, il est cool et en plus il est super pigmenté. Donc du coup, hop, j'en mets un tout petit peu sur ma main. Je vous montre en direct live. Et en fait, c'est super pigmenté de fou. Donc super sympa parce que du coup, comme c'est super pigmenté, il faut vraiment avoir la main légère dessus. On n'en met pas beaucoup. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un pinceau et que je tapote légèrement sur mes joues parce que ça va très très vite. Donc, 1, 2, 3, 4, cinquième produit de maquillage que je devrais choisir, si je devais choisir, ce serait un blush. Voilà. Ensuite, un sixième produit à choisir, si je n'avais pas le choix, ça serait, oui. Et là, je l'aurais mis vraiment en troisième position, si je devais parler pour des gens de mon âge. Mais bon, c'est pas grave. Pour une personne qui est un peu plus jeune et qui a moins ce genre de soucis, je mets en sixième position et c'est l'anti-cerne. L'anti-cerne qui est super important quand on a des cernes. Je l'aime celui-là. C'est un anti-cerne de chez Benefit. Bon, je vous en ai pas choisi un qui est pas cher du tout parce que j'ai préféré vous montrer celui que je préfère. Je peux vous en montrer un qui coûte un peu moins cher. Qui pourrait être celui-ci. Ouais, voilà. Il y en a un de chez Sephora que je trouve assez sympa, qui est cool. Hop, c'est un tube en fait. Hop. Et le second, hop, je tourne, qui est beaucoup plus fin. Voilà. C'est plus sympa. Donc, ce qu'ils disent dessus. Donc, la partie la plus fine, c'est un correcteur anti-imperfection pour cacher les petits boutons, etc. Et la partie la plus épaisse, c'est l'anti-cerne longue tenue. Je le trouve assez sympa. Je préfère quand même celui-ci parce que celui-ci, c'est un anti-cerne et en même temps. Alors, je ne sais pas si on voit encore parce qu'il est bientôt fini. C'est en même temps un anti-cerne au milieu, la partie orange, c'est un anti-cerne. Et autour, en fait, c'est une partie qui est hydratante. Donc, en fait, il est deux en un. C'est pour ça que je l'aime par-dessus tout. J'ai jamais l'effet asséché sous les yeux avec ce produit-là de chez Benefit, le Fake Up de Benefit. Je l'adore. Ensuite. Là, ça commence à se corser pour les quatre derniers. Qu'on a tous ces basiques. Il est important de pouvoir changer de look en cas d'événement exceptionnel, genre une soirée, un rendez-vous, etc. Et je pense que le rouge à lèvres rouge, c'est l'atout indispensable pour changer de look. C'est-à-dire qu'il suffit de maquiller un petit peu moins ses yeux, de mettre juste un petit peu de mascara et de mettre le rouge à lèvres rouge. Et là, on a tout suite un look de femme fatale. C'est magnifique, c'est joli, c'est simple et en même temps c'est super voyant. Donc moi le mien, mon préféré, c'est le rouge à lèvres de chez Marc Jacob et il s'appelle Showstopper. Voilà. Allez, un petit zoom. Téléphone.
Zoom téléphone. Non, il veut pas. Bon, bah écoutez, j'espère que vous voyez. Je vais taper un délire avec mon rouge à lèvres. En tout cas, c'est le numéro 134, le Showstopper de chez Marc Jacob. Je l'aime, il fait une couleur à tomber par terre. Il est super mat et super pigmenté. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Je l'aime à mourir. Voilà, c'est mon rouge à lèvres rouge préféré. J'en ai d'autres, mais celui-là, c'est mon préféré. Sinon, chez Sephora, il y en a un qui est pas très très cher, qui est très beau aussi. Si le Marc Jacob est un peu trop cher à votre goût, il y a le Sephora qui est très bien. Donc, c'est cette gamme-là. Hop. Et en fait, il s'appelle Sephora Rouge Naughty. Huitième produit. J'ai envie de vous dire, habituellement, on se maquille assez simplement. Si on veut rajouter une petite touche en plus pour une soirée, pour un événement quelconque et particulier, un fond de teint, oui, mais je trouve quand même que le fond de teint, c'est trop couvrant, c'est trop extrême, surtout quand on est jeune. Et même moi, personnellement, je n'utilise pas trop de fond de teint. Je préfère utiliser une CC crème. Et ma préférée, c'est celle-ci. C'est la CC crème de Bourjois. Je la trouve super. C'est une CC crème qui fait 3 pigments en une fois. Elle a le pigment orange qui est abricoté, qui est anti-fatigue, le pigment vert qui est anti-rougeur et le pigment blanc qui est anti-tache. Et en fait, il est 3 en 1. Il est super facile à appliquer parce qu'il est assez liquide. Dans ce cas-là, on a juste à en mettre un petit peu sur un pinceau ou sur une éponge, je sais pas, body blender là. Et en fait, elle s'applique tout seul. Et vraiment, à l'œil nu, on voit directement le changement. Mais c'est pas trop couvrant. Ça fait pas masque. Et donc, super. En plus, il a un SPF. C'est l'indice de protection 15. C'est un mini SPF. Mais bon, c'est mieux que rien. Et donc, super. Une CC crème ou une bébé crème, ça peut être sympa aussi. Pour moi, c'est toujours mieux qu'un fond de teint. Pour les jeunes, je trouve que les CC ou les bébés crèmes sont parfaites. Ensuite, avant-dernier produit, donc 9e produit. Si je devais choisir un 9e produit pour le maquillage, un enlumineur, parce que ça permet de rajouter des touches éclat au visage une fois que notre maquillage a été fait. Et donc, moi j'utilise entre autres l'enlumineur de chez MAC qui s'appelle le Mineralize Skin Finish de chez MAC. Voilà, il est comme ça. La couleur, pour ma part, c'est le Soft and Gentle. Voilà. Et en fait, il se présente comme ceci. Donc, à mettre avec le pinceau en petite touche au-dessus de la pommette. Sinon, on peut en mettre juste en dessous de l'arcade sourcilière pour mettre en avant le regard. Il y a aussi des personnes qui mettent des petites touches au-dessus de leurs lèvres, etc. On peut en mettre, il y a plusieurs endroits où on peut en mettre. Je trouve que ça rajoute une touche éclat au visage si on veut se faire un teint lumineux. Voilà, donc 9e produit. Et pour finir, le 10e et dernier produit, c'est vraiment un plus. Et c'est vraiment si on veut vraiment parfaire tout ça. Je pensais à un maquillage pour les sourcils. Et j'ai choisi de vous présenter un maquillage pour les sourcils qui est assez... comment dire, qui pourrait convenir à la plupart d'entre vous. Parce qu'il y a plusieurs types de maquillage pour sourcils. Il y a des crayons, il y a des palettes avec deux sortes de... Enfin, une cire et une couleur pour colorer votre sourcil. Et en fait, il y a aussi le mascara. Le mascara, hop, qui se présente comme ça. Et je trouve que c'est ce qui est le
qui fait un rendu plus naturel que les autres. Et je pense que quand on est jeune et qu'on commence à se maquiller, ce serait dommage d'avoir un truc trop prononcé et du coup qui ferait un petit peu ridicule, surtout quand on a 12-13 ans. Je sais que maintenant on commence à se maquiller très très jeune, donc à 12-13 ans, les filles commencent déjà à se maquiller. Donc si vous êtes dans ce cas-là, que vous avez 12-13, 14-15 ans même, vous commencez à vous maquiller. Le plus sympa, je trouve, et le plus discret, c'est le petit mascara pour sourcils. Celui-ci, c'est le Gimme Brow de chez Benefit. Il y a d'autres marques qui en font et des moins chères. En tout cas, je voulais vraiment vous montrer ce type de maquillage pour sourcils. Et en fait, c'est très simple. Il y a une couleur, donc il faut acheter la couleur adaptée à ses sourcils. Et ensuite, il n'y a plus qu'à coiffer son sourcil. Donc, il y a la brosse et il y a la couleur, deux en un. Il n'y a plus qu'à coiffer son sourcil. Et en fait, ça les dessine et en même temps, ça les fonce un petit peu. Ça les restructure un petit peu. C'est génial. C'est vraiment, je le mets vraiment en dernière position parce que c'est un produit pour moi qui va vraiment parfaire le maquillage, mais qui n'est vraiment pas obligatoire. Regardez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez quoi que ce soit à partager, si vous connaissez les produits, que vous les avez aimés ou détestés, si vous avez 10 produits maquillage que vous préféreriez utiliser, qu'ils ne sont pas exactement dans cet ordre-là, allez-y, commentez. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette vidéo. Ça me ferait énormément de plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui aiment mes vidéos. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo beauté, cocooning, etc., etc. Gros bisous, kiss!